Alors, non, les femmes ne pouvaient pas voter. Ça, c'est les femmes ne pouvaient pas voter, puisque ça, je vous ai dit que c'était le droit de vote masculin. Mais il y a d'autres, il y a des hommes qui ne pouvaient pas voter, et ça a donné naissance à une célèbre expression. Les condamnés à mort. Pardon. Pas de peau. Comment ça, pas de peau? Bah, parce que c'est dans la ville de Pau, non? Donc pas de peau. Laurent, c'était un jeu de mots sur la sonorité. Bon, ça va finir dans le best-of, ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec Pau, c'est l'auditeur qui habite Pau. Hey, vivement qu'elle soit ministre. On va rigoler. Là, on voit qu'elle a le niveau pour être ministre. Un raccord. Je comprenais pas de quoi il me parle. Laurent, est-ce qu'on l'emploie encore? C'est M. Ponce qui habite à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, mais ça n'a rien à voir avec la question. Très bien, très bien. Bah, j'ai fait une Ariel Dombal, pardon. Excusez-moi.